Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci d'être que ou toujours branché sur la page YouTube Tiké Magazine, sur la page Facebook Tiké Magazine et aussi sur Télé 20 côté que nous avons une émission live ça que nous filmé spécial pour vous qui a passé. Là, nous avons deux émissions spéciales que nous faisons. C'est pour présenter invité d'honneur 24e édition Livre en Folie qui a fait 31 mai et 1er juin dans le Jardin du Mupana. Là, nous avons avec nous Madame Emily Prophète. Emily Prophète sont poète, romancière, journaliste et sont dame vraiment tout qui a plusieurs chapeaux. Dernière fois que nous avons reçu voile dans le ticket, c'était en tant que porte-parole pour le comité carnaval. Et là, tout, nous avons parlé avec lui déjà comme directrice générale, direction nationale du livre. Nous étions aussi directrice générale pour la Bibliothèque nationale. Et lui, actuellement, toujours directrice générale pour BHDA, qui est le Bureau haïtien du droit d'auteur. Mais je dis à là, nous allons parler de travail, mais c'est surtout le monde que nous allons chercher à comprendre pour nous connaître qui est-ce qui aime, côté le sorti, qui ça le fait, qui ça le remet. Donc, merci d'être déjà branché, nous allons prendre une pause et puis nous retourner tout de suite avec Madame Prophète. J'aime ce dinoir, nous avons Madame Prophète qui est avec nous. Emily Prophète, c'est une deux invités d'honneur que Livre en Folie a Anissa. Livre en Folie qui a 24e édition. Et la fête Anissa encore, même avec l'année dernière, dans les Jardins du Mupana, les 31 mai et 1er juin. Madame Prophète, merci d'être répondu à l'invitation. C'est un plaisir pour nous recevoir là. Comment vous très bien, merci parce que vous m'invitez. Je suis très content, très fier de participer dans l'émission live. Je connais un pile auditeur, particulièrement de jeunes auditeurs, de jeunes téléspectateurs. Donc, ça fait très plaisir. Et pour une fois, nous avons l'occasion de parler de livres. Je me connais très occupé par le divertissement, la musique et tout aspect culture en Haïti. Donc, merci pour l'invitation. Je suis très content. Voilà, ça, quand tu as ça, son questionnaire là donne pour vous. Très peu. Non, mais on va commencer par relax, parce que son bail relax, nous voulons faire. On va commencer par dire nous, faut-tu parler nous de où, qui est souillé, qui est au fait, qui est au grandi. Bon, je sais que tu as grandi à Port-au-Prince, mais nous voulons pour raconter nos attachements à Ville. Avec plaisir, nous sommes Port-au-Princienne oui. Total. D'ailleurs, fait l'hôpital général, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. 15 juin 1971. Donc, moi grandi à Port-au-Prince, mal l'école Port-au-Prince, mal l'université Port-au-Prince, et faculté de droit et des sciences économiques, et option droit, moi j'ai une licence en droit, et moi fait école normale supérieure, parce que j'ai envie de faire une faculté de lettres. J'étais toujours passionné par les lettres, j'ai envie de faire une faculté de lettres, mais c'est l'école normale qui t'est semblé le plus proche. De ça m'a besoin, de ça m'a envie dans toutes les facultés publiques. À l'époque, les facultés privées n'ont pas de la côte du tout. C'est son bas est très récent. Côté monde, pas jeune Port-au-Prince qui est dans le pays en général, ils parlent dans la faculté, les moyens, ils parlent dans la faculté privée. Et puis, faculté privée est très dégradée et tout. Donc, pour des raisons diverses et variées. Faculté de l'État, pardon, très dégradée pour différentes raisons, mais ce n'est pas ça qui préoccupe nous aujourd'hui. Donc, faculté de droit et des sciences économiques, et l'école normale supérieure, une formation en journalisme à Jackson State University dans le Mississippi, et une formation, et plusieurs formations tout, et ici et là, dont une en France à l'Université Paris-Dauphine, en économie de la culture, en pile rencontre, et on vit. On vit très, très impliqué dans la littérature, dans le livre, dans le partage du savoir. Parce que je toujours travaille dans des milieux côté qui ont rapport avec des bibliothèques, qui ont rapport avec la lecture publique. Et de plus en plus, c'est depuis 4-5 ans, dans la question droit d'auteur avec droit voisin, qui sont secteurs qui sont encore vierges en Haïti, mais qui sont tellement porteurs et de lui-même dépendent tellement de bagages qu'il vini, même si il y a des gens qui peuvent well, donc l'a vini parce que nous pas qu'à échapper à lui, avec numérique qui a vini, avec ça aurait l'industrie culturelle et créative, donc on pas qu'à parler de bagarre ça au sein ou pas parler de droits d'auteur et de droits voisins. Et sur le point personnel, vous êtes marié? Je suis marié, j'ai deux filles, je suis marié à un écrivain qui s'appelle Jean-Eufel Milsé. Et j'ai deux filles, j'ai une qui a 20 ans, qui a étudié droit, et puis j'ai une qui a 9 ans.
Mais on vous appelle souvent Madame Prophète. Hélas, parce que parce que et, en fait, et, comme Marie me s'est écrivain tout, Jean-Yves Milsé, il fait des livres, Jean-Yves Milsé. Il était très difficile pour un écrivain qui est Emily Milsé. Et comme depuis très tôt, depuis dans l'université, j'ai commencé à faire des textes, il paraît dans des revues, des magazines comme Emily Prophète, mais écrivain, il est Emily Prophète. Mais soit font chèque pour moi là, plutôt faire Emily Prophète Milsé, parce que si mal changé, la boîte là a un bon problème. Parce que ouais, on pensait que c'était pas un souci de féminisme, des choses du genre. Et même pas, parce que bon, dans la vie civile, moi, les prophètes, moi, c'est, par exemple, si et licence moi des pièces d'identité, parce que non enregistré sous système l'État, moi, les en principe, et moi, syriaque. Prophète Milsé. Parce que papa m'a une très bonne idée de faire nous porter et non parle et non maman. Donc, comme maman m'a les Vesta syriaque, donc nous, tout le monde là, c'est des syriaques prophètes. Même tout fait, bah, la longue, les compliqués. Donc, très tôt, m'a été à Emily Prophète là, parce que m'a trouvé que vraiment syriaque là, il y a un genre difficile. Depuis, en plus, m'a toujours fait, ouais, là, dingue. Par contre, si je peux écrire la S, si je peux écrire la C, G-N-C-C-I, alors que le map dit non, Emily est un genre difficile parce que souvent, on a tendance à Emily ou bien Emeline ou bien écrit Emily avec un seul M, même nouvelle liste qu'on fait erreur. Emily a écrit E, 2ME, N-I-E, mais ce n'est pas de faire erreur. Tu fais le téléphone, mais on va sauvegarder le numéro. Là. Voilà, c'est E, 2ME, L-I-E. En général, je m'appelle Emily, E, 2ME, L-I-E, et puis je me dis prophète, comme dans la Bible. Donc, et puis ça simplifie tout le bagage. Donc, comment pile le monde dit la Bible et compte qui ça qu'on prophète, donc c'est plus facile pour me relayer les prophètes. On va commencer un petit peu très loin. Moi, je me sens que bon, j'ai lu de bagages sur vous, moi, tu as parlé déjà. Tu aimes toujours, tu évoques ton enfance que tu décris des fois comme difficile. Nous, nous t'as aimé que au fond, tu parlais de l'aspect ça avec nous. Est-ce que l'enfance moi était difficile? Bon, c'est, bon en fait, l'homme était petit, j'étais seule petite fille dans Kaila. J'ai deux frères, un grand et puis un plus jeune. Moi j'étais dans une espèce de carcan côté et des débats, j'ai pas de café parce que c'est petite fille, si frère, grand frère mal joué mable, là joué football, etc. Moi même pas même qu'à sortir devant barrière parce que petite fille pas sorti. Donc vraiment c'est un gros enfermement que au départ parce que j'étais toujours à réfléchir, j'étais toujours un petit genre à questionner sur pour qui ça. Et puis bon, enfermement, je me mettais la profit, je me lis en pile, je lis. Mais en réalité, je lis ou sorti. Personne ne peut pas faire mon monde qui lit dans l'espace. Parce que depuis que j'ai ouvert le livre, on lit un premier livre, on lit un deuxième livre. On continue à lire parce que c'est une sorte de bon virus lié. Les on attrape, il n'est pas quitté facile. On lit. Et puis, bizarrement, même si on est fermé, on n'est pas sorti, ou qu'on a un paquet de côté, ou qu'on a un paquet d'informations qui ont une espèce de regard qui a surplombé tout l'autre monde, ou à comprendre ça, à dire, ça, à réfléchir. Donc après ça, je devine relativiser, donc qui est très jeune, parce que jusqu'à très tard, je ne suis pas sorti. Ce n'est pas de la blague. C'est ma parole de bagaille qui a 14-15 ans, je ne suis pas sorti. Je me sens que j'ai 14 ans, d'avoir un film dans le Capitole avec le Capitole. Papa m'était d'accord pour m'aller et les comédiens de Graham Greene. Mais il dit c'est à grand frère pour m'aller. Et puis grand frère, Léo dit oui, il faut aller au cinéma avec moi. Il dit le papa aller. Il dit mais. Il dit papa non pas prêt aller, papa me dit comment pas prêt aller, elle dit non ou bien attendez pas prêt aller parce que très tôt le patron me dit du tout à papa, il dit papa me souvle aller au cinéma avec petit tout aller avec pour contre. Donc voilà comment grâce à lui première fois dans vie me j'ai 14 ans dans le cinéma pour contre moi malgré les comédiens de Graham Greene Capitol. Donc là, on a un petit peu parlé de comment ton initiation à la lecture s'est faite, mais et pour rapport à l'écriture, là, comment ça a commencé? En fait, c'est la lecture qui m'a amené à l'écriture, parce que là, moi, t'es qu'on lit en pile, et que t'es qu'on y a des rares tes livres. Et puis, à ce moment, et puis, le gain rare tes livres, bah, j'en ai assez de livres pour lire, et pour commencer à lire des livres scolaires, parce que papa m'a gagné deux grands sœurs qui étaient l'école Sacré-Cœur, et on t'a gagné des livres, et la guerre des Michards. Côté me commencer à apprendre tout ça qui est dans la littérature française, lire tout ça, ou jouer en bas, mais au même livre qui manquait page. Et puis,
Et puis, on commençait à écrire, mais en cachette, on peut écrire des poèmes, mais pas de bon du tout. Le, avec le recul, avec le recul, et qu'on y a moins de monde qui a écrit comme ça, me sourit, mais c'est des... C'est des œuvres de jeunesse qui heureusement disparaissent parce que c'était des manuscrits. Et puis, nous avons un cahier quand nous avons écrit. Et puis, vous faites de grands fleurs dans le cahier. Et puis après. Et puis après, quelques années plus tard, parce que, là, en fait, pour écrire, il faut gagner une sorte de discours sur la littérature. Qui est la littérature? Qui est écrit? Donc, pour lire des livres et puis on commencer et faire une sorte de décantation, on dit tel livre bon, tel livre moins bon, et pour commencer à lire, parce que tout le monde a lu toute bagaille, on commence à lire. On peut lire Le Quin, Guy Descartes, Max Duveuzit, tout livre, tout journal, etc. Et puis on commence à rencontrer des livres qui sont différents, là on fait une autre idée de littérature. On lit des livres et pour dire là, on pense, on compréhension du monde qui puis intéressé par c'est ça. Donc c'est à partir de là où commencez à faire une idée et puis vous décidez ok m'a passé de type poème qui dit pourquoi le monde est si méchant, pourquoi les hommes sont si difficiles. Donc vous passez des navets, de gros navets, tu vois, et puis vous tombez dans des textes, mais il faut aller vers des plus soit pas les découvrir l'homme ouvrir la gare de Michelin, ou après des textes de Victor Hugo, il y a proposé des petits textes de Verlaine, et puis vous avancez, vous monter niveau, hein, et puis vous découvrir et puis au même temps vous améliorer, ou vous dit oh ça me t'est écrit là avec gros fleurs ça à bon côté là pas bon, et puis vous pas besoin font fleurs bon poésie. Et puis, de fil en aiguille, et puis, j'ai eu une chance de me rencontrer avec des écrivains, et René Philoctet notamment, qui joue un grand rôle dans la vie. Et puis, René Philoctet, nous avons fait un club de lecture qui était la parenthèse culturelle. Et puis, René Philoctet invite, on l'a allé à Tiga, les Place Boyer, et puis, on a parlé littérature, et puis, on vient rencontrer des gens, tant que René Philoctet, Jean-Claude Fignolet, etc. Mais c'est des gens qui ont gagné du mordant. Ça veut dire, si les gens ont un coup de dent, un coup de langue, pour chaper, il faut être solide. Il faut être solide, parce qu'ils ont été extrêmement méchants, mais c'est très propre au milieu des écrivains. Mm-hmm. C'est des gens qui plus ou moins méchants ou très méchants. Parce que qu'on écrit même pas citer non parce que les sous-marchés a toujours il était publié un livre et puis l'hypothèse une bah René Philoctète et puis il était chita beaucoup de René Philoctète là et puis il chita lui René Philoctète était tout petit parce qu'il était fait il était diabétique et puis il était un petit corpulent quand un petit monde. Il garde les livres là, mon enfant fait déplacer, le mon enfant bel accueil. Il parle et puis comme on a, elle dit, puis toi monsieur t'achètes ton thé à comme ça, le pays, il fait livre là. Tu dis mais qu'est-ce que c'est méchant. Mais c'est des pratiques comme ça qui te gagné. Et puis bon ça on genre dur aussi ou parce qu'on dit qu'être une espèce de challenge. Si me font si mal pour ton bail comme ça. Mais en même temps, est-ce que le pas de bon vrai parce que c'était de la méchanceté souvent. Pour être méchant, est-ce que le pas de bon vrai dans l'absolu, pourquoi faut-il me retourner garder livre là pour moi? Est-ce que vous n'êtes pas un petit genre très méchant avec jeune écrivain ça? Mais c'était ça le challenge. Et à cette époque-là, le milieu de la littérature n'était pas comme ça. Je dis à Guédé Mounio font livre. C'est toujours un compte d'auteur. Mais ils font un livre, et puis ils publient, et puis ils regardent, ils mettent deux mains dans la tête, ils disent quelle catastrophe. Mais et l'époque ça écrivait était fait une li l'autre donc l'elle parler puis t'ai gain pile de t'ai gain plus association côté moun vini parler de littérature donc c'est peut-être ça t'ai gagné des produits qui étaient peut-être plus intéressants donc t'ai gain moins ce livre tout ben c'est pas que m'a dit avant c'était mieux ce n'était pas mieux avant. Rien n'était mieux avant. On peut avoir de la nostalgie, mais regarder gens, société évoluer et puis j'ai des ouvertures qui fait, ou pas qu'à dire que c'était mieux avant. Mais en même temps, c'est une bonne pratique parce que tu es un pile compte d'éditeurs. Mais je dis, le paysage, c'est que tu es un pile écrivain qui est édité en France, au Canada et ailleurs. Et puis, gagner et qui a fait une sorte de combat pour faire éditer et tout ça. Donc, ça a bien changé. Mais en même temps aussi, il y a les réseaux sociaux où les gens communiquent beaucoup. Quoique, moi, j'ai une
très mauvaise opinion des réseaux sociaux, mais en même temps, on t'a contesté l'utilité. Donc tu n'as pas de compte sur Instagram, tu n'as pas de Twitter. Non, en fait, les réseaux sociaux, c'est comme et c'est mes amis, est-ce que me garde ça c'est vraiment parce que me pas une bonne opinion du tout des réseaux sociaux, c'est comme des toilettes en plein air, tout le monde fait et puis ça pue. Et puis c'est désagréable. Exactement. C'est des toilettes en plein air. Tu vois tout le monde faire et puis ça pue. Wow. L'idée, l'image. Pardon. Parce que c'est, en même temps, on pas qu'à contester utilité réseaux sociaux. En fait, réseaux sociaux, ils ont réglé des gros problèmes de solitude. Mais des fois, il y a une telle bataille pour exister. Les gens ont des opinions, mais ce n'est pas des opinions compétentes. Les gens ont des gens qui disent des choses ou qui font des déclarations, et puis des gens qui tombent comme ça. Mais plutôt des opinions que des informations. Voilà. L'information est plus mal toujours. Les gens sont économistes liés. Ils disent des choses. On ne doit pas d'accord avec elles. Mais on peut faire le débat. Et puis, les gens tombent dans des choses, des platitudes. Côté Abdou, un tel, nous avons parlé à un tel, nous avons la parler à un tel. Donc, il y a des opinions sur ça, mon Nandia, qui n'a rien à voir avec ça, avec ça, mon Nandia, vle dire. Ça veut dire, si on parle là, on parle de caméra, etc., je pour me dire, je vais manger pâté codé avant hier. Ça n'a pas de rapport. Exemple simple, tu vas sur le site du Nouveliste là, ou lire l'article là, et pour garder mon niveau privé, comment tu n'as rien à voir avec l'article là? Rien à voir avec l'article là. Rien à voir. Tu vois, on a eu un article et puis l'autre l'a dit, c'est pas un tel qui était, et pas lui même qui était ouais avec tel monde il y a 10 ans. Tu dis, mais quel est le rapport? C'est comme si le monde n'a pas gagné droit à l'opinion, etc. Donc, c'est vraiment et très utile, mais en même temps, il y a grand bagaille. Je vois, c'est une façon comme une autre d'atteindre le public, de exactement, mais il résout des problèmes de solitude, il permet de faire des promotions, etc. J'ai grand pile business qu'on y a là qui a utilisé les réseaux sociaux. Absolument, c'est très utile. Pour les auteurs aussi, ça devrait être un bon moyen de marketing, de promotion pour le travail. Donc, je ne conteste pas du tout les réseaux sociaux. Sauf que je suis. Je ne peux pas parce que. En fait, tellement de monde qui a parlé, on sort de. Et puis, il faut être inaudible. Tout. En fait, ce qui s'est passé, tout, c'est que pas de rien qui n'a aucune prégnance. Les gens font commentaires là et puis commentaires à disparaître dans l'espace. Ça n'a pas changé grand-chose. Surtout, laisser des commentaires qui sont méchants. Là, les gens se permettent d'être méchants aussi. Oui, trop souvent. Trop souvent. Donc, mais revenons donc à ton œuvre. Oui. Et donc, tu m'as dit comment ça a commencé. Mais c'est quoi? Quels sont les termes qu'on retrouve le plus souvent? Moi, je parle des gens. Je parle de monde. De monde, mais qui vivent en général dans des quartiers précaires. Mais c'est, en fait, c'est des aventures humaines. La plupart des romans, c'est comme ça. Mais bon regard. Voilà. Donc, oui, et puis, en fait, c'est des mondes qu'il faut remarquer ça. Donc, la ville est très présente. Il y a des thèmes qui reviennent, la ville est très présente, les quartiers précaires, et puis des incursions sur la politique, sur la religion, mais c'est des histoires de vie. Ça veut dire des histoires de vie et des mondes qui ont regardé, et puis vous comprenez un paquet de bagailles qui a passé dans la ville et comment bagailles ça a impacté de l'autre monde qui a vécu proche. Donc c'est des histoires de vie, c'est des tranches d'histoire, c'est proposer la vie quotidienne au regard de l'autre. Et sans donner d'explication. Donc, voilà comment les gens vivent, voilà ce qu'ils pensent. Et c'est aussi beaucoup de solitude parce que, mine de rien, même s'il y a les réseaux sociaux, même si la vie est très, très agitée, nous inquiets. Et puis, nous sommes dans une solitude extraordinaire. Même quand nos parents nous comptent. Et puis, la précarité aussi. La précarité n'est pas que dans les quartiers populaires. La précarité est pour nous tous. Parce que quand tu vives dans nos pays, côté plus fort monde précaire, par la force des choses, on précaire tout. Parce que au PACA font sauvetage individuel, dans la plupart des cas, ça ne va pas marcher. Le marché a grandi devant Porte la Caille, ou les bidonvilles là entourées. Ou... Donc, voilà, est-ce que voilà, et dans le dernier livre, et je parle d'un fait
divers. Ça, c'est peut-être important à signaler. On l'a appelé le nouveliste et puis m'a prouvé que nos éditorial Franz Duval, côté, il a expliqué que des mondes qui pourraient aller sur une âme, mais c'était le dernier vol pour Paramaribo. Le Suriname dit qu'il a coupé liaison 1 et puis il y a un dernier avion qui prend le parti. D'ailleurs, le livre a failli s'appeler « Dernier vol pour Paramaribo », mais j'ai trouvé qu'un ailleurs à soi était plus joli. Parce que c'est des bagailles qui... Et c'est pour ça que la littérature devance l'histoire. La littérature devance l'histoire. Et pour vraiment comprendre les histoires individuelles, parce que quand c'est l'histoire, quand c'est les historiens qui écrivent, là on est dans des faits et macro. Ou événement qui impactait l'ensemble d'une population, d'une région ou même le monde. Mais les histoires individuelles, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une famille qui vivait à Varsovie et comment cette famille a vécu la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est en cela que la littérature est aussi importante, sinon plus importante que l'histoire, parce que lui permet de gagner des visions très, très micro, mais qui permettent de mieux comprendre ce qui est plus large. Donc l'histoire individuelle, comment une jeune femme qui vit à Port-au-Prince aujourd'hui, qui est journaliste, comment sont faites ses journées, et son roman s'y a expliqué, périple, Mademoiselle Daphné Valsin-Malandre. Donc, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, il y a des gens qui comprennent comment le pays a été le ça, quelle était l'ambiance du pays. Parce que dans le roman, souvent, on parle des états d'âme de la personne. Il y a beaucoup d'introspection. Donc, l'important pour moi, pour me comprendre l'histoire aujourd'hui, c'est me comprendre qui sont tes pensées, qui sont tes sentis. Est-ce que tu es désespéré? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es levé chaque matin? On te dit, finalement, il faut me partir, il faut me quitter le pays. Pour qu'il s'en batte au Chili, dernière fois, il faut me battre aux États-Unis, pour qu'il s'en batte traité. Et c'est en cela que littérature, la littérature est fondamentale dans l'instant, ça veut dire, jodia, quand tu n'as pas allé là, mais dans 30 ans, dans 50 ans, et lui permettre de comprendre l'histoire dans le moment. Voilà. Alors, une heure à soi, c'est un roman, et par exemple, des mots à remplir, que c'était poésie. Mm-hmm. Donc, est-ce que là, tu écris, mais ou poète, ou romancière, ou journaliste, donc ça fait différents genres. Comment tu arrives à jongler à tous les genres? Je ne jongle pas. Quand je suis dans un genre, je suis dans un genre, ensuite je passe à un autre genre. Mais ce n'est pas très difficile d'être journaliste quand on est romancier ou poète. Donc, au contraire, c'est très utile. Donc, ça permet d'entrer dans l'actualité, dans l'histoire ou l'autre genre. Et moi, j'ai commencé par la poésie. Souvent, écrivains haïtiens ont commencé par la poésie. Et quand on commence par la poésie... Il y a beaucoup de personnes qui commencent par la poésie, qui parlent d'aucun côté. Moi, j'ai essayé de... Ça n'a pas marché. Hein? C'est parce qu'on n'a pas insisté. On n'a pas insisté, mais moi, j'ai commencé par la poésie. Donc, j'écrivais des poèmes, etc. En fait, ce qui... Le saut que beaucoup de gens n'osent pas faire, que peut-être même ou pas osé faire, l'on a écrit des poèmes, c'est oser montrer à des l'autre monde. Tu vois? C'est un grand risque. Hein? C'est un très grand risque et c'est là qu'on se met en danger. Parce que ou pas qu'à écrire, si on pas mettre tête ou en danger. Ou mettre tête ou en danger parce que il y a des gens qui connaissent son pensée, il y a des gens qui connaissent comment on réfléchit, il y a des gens qui connaissent comment on voit le pays et comment on voit le monde. Parce que l'écrivain, et Jean écrivait, l'autre écrivain dit, la littérature donne la saveur du monde. Donc, on écrit, donc, on offre tête ou à un autre monde, c'est à la fois un bagage impudique, l'écrivain est forcément impudique, mais aussi, et il est bon que l'écrivain reste dans une forme de pudeur. Ça veut dire qu'on n'a pas écrit juste pour aller fanfaronner, pour dire, mais ça m'écrit, etc., qui n'est peut-être pas bon. Donc, on était dans une forme de pudeur, et cette pudeur est utile. Et pour me dire mieux, cette pudeur sert ton impudeur. Parce qu'on va te montrer, etc. Ou par contre, si mon envie qu'on est, ou par contre, si mon envie, ouais, j'en le monde, j'en interprété le monde, j'en interprété, regard, jeune homme ça que tu as regardé, ou jeune fille ça.
Et l'écrivain, il est ouvert. L'écrivain est ouvert, c'est, il m'a venu à lire ça, du domaine de la tolérance. L'écrivain est ouvert, l'écrivain, est, parce que l'écrivain peut être tout le monde. Et c'est ça qui bat le regard, ça, qui permet de les comprendre, qui permet de les écrire. Un écrivain ne peut pas être homophobe, par exemple, sinon c'est un, il y a un petit problème derrière. Parce que l'écrivain peut être dans la peau de tout le monde, l'écrivain peut faire parler tout le monde. Donc, permettre d'entrer dans l'univers au monde sans que ou pas envie de taper sur le monde, nan, ni envie de voir en exil ou même voir en prison. Donc, et c'est ça, et c'est peut-être ça, le, dans ce livre, ça, l'idée livre ça, du domaine de la tolérance, il vini après, Sénat, et vini vote en loi sur la réputation et les bonnes vies et mœurs. À ce moment-là, me dit, mais dans 20 ans, dans 30 ans, et Mrele Lionel, on commence à parler avec Jean-Michel Milce, me dit, nous pas capable de dire rien, c'est pas possible. Mrele Lionel, me dit, Lionel, est-ce que nous avons le droit de pas dire rien? Dans 20-30 ans, puisque nous connaissons un pile monde pas dire rien. Parce que c'est du populisme. Là, on dit oui, il faut voter noir sur la réputation. Quand est-ce qu'on a bonne réputation? Ça, c'est pas. Voilà, c'est relatif. C'est relatif. Et puis, ça son loi qui va le mener à la délation. Voilà, qui va le mener à la délation. Ou elle dit, pour aller peut-être la police ou dénoncer un tel comme homosexuel ou prétendu homosexuel. Ou quand juste parler même là, ou décider que. Exactement. Donc, quand est-ce que le monde a une bonne vie et meurt? D'ailleurs, la bonne vie. Parlons de la bonne vie. Est-ce qu'on peut avoir une bonne vie ici, dans cette situation-là? Même là où tu as des moyens pour circuler, même l'eau manger, ou qu'à prendre un avion une fois, ou qu'à inviter deux, trois amis à la caille ou venir pour un verre. Mais où est la bonne vie? Est-ce qu'on peut avoir une bonne vie en regardant la misère de l'autre? Donc, tout bonne juste, vie, qui est juste à côté, en fait. Qui est juste à côté. Des fois, mon aïe la caille ou la travail. Tu te dis, mais est-ce que cette bonne vie-là, si l'âme prend le premier degré, bonne vie, c'est pas que ça. Donc, est-ce que bonne vie, ça, c'est vraiment ça vous carrément bonne vie? Comment la vie est-elle bonne pour tout le monde? Par exemple, il y a des gens qui sont dans la prostitution, pas en nécessité. Comme dit, on écrivait que Romain Gary, dans un bel livre qu'il était pour un prix Goncourt pour lui, qui est La vie devant soi, qui a parlé de mon fils, il dit elle se débrouille avec son cul. Donc souvent, il y a des gens qui font, c'est pas en nécessité. Donc est-ce qu'au cas de but en blanc, dit mon ça, on n'a pas aucun certificat parce qu'on n'a pas une bonne vie, etc. Et puis, la vie sexuelle de quelqu'un. Voilà, la vie sexuelle de quelqu'un, c'est de l'ordre de l'intime. Donc, si c'est où qu'elle cherche qu'on est, c'est où pervers là, c'est pas mon nom. Si depuis mon nom pas pédophile, il n'y a pas de problème. C'est pas un violeur, c'est pas un pédophile, il n'y a pas de problème. On s'en fout. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce livre du domaine de la tolérance, parce que l'écrivain doit ressentir ce que les autres ressentent. D'ailleurs, pour écrire, faut ou bien ressentir. Faut qu'à parler, faut qu'à mettre parole dans la bouche aux monde qui sont grand brûlés, parce qu'on sentit brûlure et tout. Faut qu'à mettre parole dans la bouche aux monde, ils ont coupé jambes. Ça veut dire qu'on parle de sens supérieur à l'autre monde dans tout, pour qu'on mette la parole. Certainement pas. Donc faut qu'à dire, mais comment le sent-il pour le monde qui était grand brûlé, en l'appelé livre là, pour dire, mais c'est exactement ton ça me sentit. Donc voilà, c'est cette ouverture, cette générosité, voilà le mot. Donc ça m'a donné un pile générosité. Mais là, je me demande comment tu fais pour gérer tout ça. Il y a la vie de famille d'un côté. On t'entend à la radio, j'ai oublié de dire ça, que tu passes du magie trois fois par semaine. Oui, les carnets des bruits. Oui. Parle un petit peu de cette émission brièvement pour mon qui va connaître au cas. Alors, les carnets d'Emily, c'est trois fois par semaine depuis la fin de 2011, depuis décembre 2011. Mais c'est quand même, ça fait un petit temps, hein? ça fait 7 ans. Depuis fin 2011, je fais les carnets d'Emily trois fois par semaine sur Magique 9. Donc, c'est une heure d'émission
côté parler de l'actualité culturelle et de la culture. Parce que ce n'est pas souvent qu'il y a actualité culturelle, le pas qu'il y a actualité culturelle, il faut me faire une dent. Donc à ce moment-là, nous allons aller dans la culture. Aller dans la culture, parler d'écrivains, parler de peintres, parler de cinéma, etc. Donc partager des choses que moi-même, que m'estimer qu'un pile monde doit connaître. Tu vois, sur Césaire, sur Philippe Roth ce matin. La dernière fois que j'ai écouté, tu parlais justement de Quincaï. Voilà, de Quincaï, l'exposition des Walt Josué. Donc, et parler pour de radio, justement, c'était tellement bien fait que je me suis senti que. Tu as visité tout. Donc, c'était une sorte de visite guidée. Donc, c'est des techniques. Et puis, voilà, comme c'est la radio, donc, il faut apporter une photo sonore. Donc, aller ou visiter l'exposition, parce que Mpaka Vin dit, oui, l'exposition se tient de telle date à telle date, etc. M'te envie mounio senti l'exposition, parce que l'idée tout, c'est que vous êtes déplacé à l'ouel. Donc, et voilà, nous parler de culture, donc lundi, mercredi, vendredi. Donc, l'intégrer entre 9h et 10h, l'intégrer dans le panel magique là, ça nous relève la matinale de Magique 9. Donc, trois fois par semaine, on a l'occasion de parler de culture, nous tendez des musiques tout, passer peut-être deux ou trois musiques, mais des musiques dans playlist non estimées, qui pas de musique qui diffusait souvent sur les ondes des radios haïtiennes. Parce que nous très auto-centrés, nous plus tendez des musiques locales, des musiques caribéennes ou mais plus souvent des musiques qui en vogue, mais il y a des musiques qui c'est des chefs-d'œuvre. Parce que l'histoire de la musique est composée de même j'ai l'histoire de la littérature, il y a des musiques qui vraiment t'ont marqué un temps, même si elle était faite en 1950, en 1940, et nous venions à musique ça. Puis, s'il le faut, font-ils parler de musique là, dans quel contexte ils font. Et ça marche parce que il y a un pile de monde qui tendait, il y a un pile de retour, il y a un pile de monde souvent qui exprimait envie de participer dans l'émission, là où il y a des actualités, là où ils font un livre. Et puis, bon, c'est une émission quelquefois qui mord, mais en même temps, ben ça n'est pas innocent. L'on fait littérature, l'on fait musique, etc. Il faut attendre à de monde qui ont réaction. Et le fait qu'il n'y ait pas de critique en Haïti, on n'a pas de critique. La critique est morte. Il y en a eu peut-être très, très superficiellement. Dès qu'on critique un bagage, où est-ce qu'il y a une différence? Dès qu'on critique un bagage, la personne a envie de te tuer. La personne ouvre sa gueule, la personne est partout, la personne veut te lyncher. Alors que ce n'est pas ça. Quand vous faites une œuvre, il faut laisser les autres lire cette œuvre et dire ce qu'ils pensent d'elle. Mais le fait que pas de critique, ça n'a pas fait avancer aucun domaine de l'art. Tout bagaille bon. Et ça n'existe pas. Pas aucun côté sous la terre, côté tout ça fait bon. Tout est bon. Donc, bah, la vie tourne en bagaille de bisounours. Son bagaille de bisounours, côté tout le monde. C'est tellement joli. Et puis, il y a tellement d'hypocrisie. Et puis, comme on a viré, mon gars, l'autre a dit, mes amis, ça, ah non, c'est pas sérieux. Puis, tu tâches ton tête à combler investi. Donc, c'est ça tout. Et c'est très, très, c'est nécessaire. La critique est nécessaire au développement de l'art. Et, si un livre qui sorti pas aucune critique qui fait sur le livre là, c'est comme si le livre là pas existé. Exactement. Livre là pas existé. Il y a des monde qui fait des livres. Personne pas well, parce que si on monde pas si pas aucun commentaire sur le livre, c'est que bon. Personne pas well, ou bien tellement pas bon que personne n'ose en parler. Ouais, donc c'est ça. Donc il faut que les gens le comprennent, il faut un éveil à la critique. Au monde font musique ou dit par exemple, on entend un pile musique ici et puis mon yo pas qu'on chanter. Mais personne n'a dit par contre chanter. Bon, moi, je me dis, bon, c'est visible que monde n'a pas contre chanter. Parce que bon, j'aime monde chanter. Donc, alors, monsieur, que moi, je n'ai pas contre chanter. Voilà, moi-même, je n'ai pas contre chanter. Donc, il y a des gens qui chantent, on dit, oh, c'est terrible. Il y a des gens qui ont 30 ans sur le marché à chanter, ils n'ont pas contre chanter. Et ils toujours pas joué au monde. Mais c'est ça qui fait que le monde peut-être qu'il y a des gens qui ont une place à l'amélioration. C'est ça. Mais comme et ils n'ont pas jamais joué au monde qui dit, ils n'ont pas contre chanter. Et on continue. Alors que ce n'est pas possible, non, c'est de l'autre pays. Non, c'est de l'autre pays, il était très, très grand. Et puis, l'homme, on a écrit, on a fait une œuvre. Œuvre là, c'est l'ensemble des livres. Il y a des œuvres qui sont inégales. Ou bien, là, on écrit, on a vraiment écrit, tout ça le fait, on remet. Mais, on joint un livre comme au pire aimé,
ou bien un livre qu'on moins aimé que tout l'autre. À ce moment-là, c'est pas que le livre là pas bon ou juste moins aimé là ou à comparer mon nom à tête li. Ça veut dire gagner 8 livres là ou on doit dire ah mais ça me pire meilleur. Mais ça au pire meilleur c'est par rapport au précédent. Donc ou bien à l'ensemble. Donc c'est pas un problème. Mais là tout est un problème ici. Puis on dit rien pas bon. Puis on dit rien pas bon, il me fait des saisissements, des monde qui gênait alors que visiblement j'ai raison. Mais ce que j'essaye de garder c'est une honnêteté. Tu vois, et personne pas qu'à dire moi péché par manque d'honnêteté. Les m'a plon livre moi lire mais si bah elle a pas bon, beaucoup n'y a de plus en plus comme manque de moins en moins d'énergie, le bah elle a pas bon moi juste pas parler de lui. Parce que si m'a pas dire pas bon, donc juste pas parler de lui et puis point barre. Mais justement, avoir le temps de, comme je disais, oui, la question de temps, oui. Oui, le temps de lire ces livres-là, d'écouter ces musiques, d'être mère de famille, à ton travail aussi à BHDA. Oui, oui, oui. Et tu es là à Magique. Et puis, où voulez faire un coin tout que là, où est-ce que tu as pour lire et pour écrire? Mais je dois lire. Si je ne lis pas, je ne peux pas écrire. Moi, je lis bon, un peu moins qu'avant, parce que non. Et ce n'est pas moi-même seulement, ça arrive à tout le monde. Une période, en fait, période où je lis plus dans la vie, c'est peut-être entre 12 ans et 23-24 ans, pendant où l'école, pendant la université. Après ça, on lit, mais on lit moins. Et puis, on vient gagner, on vient. En fait, c'est comme si vous sentiez ou autorisez tout, pas continuer lire un livre qui n'est pas bon. Oui. Ça veut dire que moun... tout le monde que vous me faites, ça va bon, je ne peux pas continuer. C'est exactement. Jusqu'au bout, tu perds ton temps. Voilà. Je connais chaque monde, je connais un peu l'écrivain, chaque monde a un seuil de tolérance. Il y a des monde c'est 10 pages, il y a des monde c'est 30, il y a des monde c'est 50 pages, il y a des monde c'est premier page. Là. Les billes pas bon, ils ferment. Donc, ça permet de lire de très bonnes choses. Par exemple, moi, je lis un livre dans l'avion mercredi. C'est un long courrier. Et un Sénégalais qui est le Mohamed Bougarsar, qui écrit un livre qui est le De purs hommes. C'est un livre qui parle de la. Qui parlait de gens qui percevaient et qui traitaient les homosexuels au Sénégal. C'est absolument révoltant. Mais le livre est d'une efficacité. Comme si on commençait à lire le livre là, on lit la première page là, et puis ça doit continuer. Et puis c'est on va virer page, et au bout de 2 heures, pour 170 pages, c'était fini. Et puis avec un regret, parce que le livre là, bien fait, bien écrit, bon bagage qui peut tout aller dans le livre là. Donc c'est vrai que j'ai très peu de temps, mais moi je lis quand même. Et moi je lis un pile article de journal. Hein. Un pile article de journal grâce au téléphone intelligent, côté ou sous des sites et puis ou appli, c'est vraiment de. Mais sous pas les réseaux sociaux, l'autre bagaille qui dit avec nouvelle technologie, faut pas vouloir tout. Ah non, moi je suis très aimé bagaille qui dit avec nouvelle technologie. Moi je suis un ordinateur, d'ailleurs, moi j'ai un geek, moi j'ai mes téléphones intelligents, moi j'ai mes tablettes, moi j'ai mes ça parce que ça a bon accès. Tu vois, ça n'a pas bon accès à des choses que vous ne parce que c'est ça que les réseaux sociaux ont. Ça a bon accès souvent à des choses que vous pas souhaité. Par exemple, sur Facebook, vous avez 10 000 amis, et puis vous avez pile de choses qui passé, à peine vous joignez 1% qui intéressent ou bien 2%. Alors que les tablettes, les téléphones, vous avez accès à ça. Ça veut dire que vous avez une application Nouvelliste. Ouvrez, ou lire, je vais me lever, je lis tout article de Nouvelliste, et je les friends pour me jouer. Parce que moi, on a un ticket de faute. Je me dis, Fran, ce n'est pas possible. Fran me dit, et me dit, laisse-moi tranquille. Ou bien, je me dis, article nouvelliste. Ce n'est pas ticket seulement. Ou bien, mon article nouvelliste. Je me dis, ça, je voulais dire là. Mais en général, c'est Fran qui paye la facture. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Fran me dit, ah bon, qui page? Qui numéro? Sous qui site? Je vais regarder, je te rappelle. Mais c'est ça ou non choix. Ou bien ou gagner application Le Point, Le Monde, New York Times, ou lit des articles, ou lit un paquet d'articles. Donc, appareil ça extrêmement utile. Comme moi, c'est un chantre du numérique.
on me dit le numérique va pouvoir donner accès à plus de gens au lieu de taper des fonds bonnes bibliothèques dans des villes de province qui pas marché qui coûtaient trop cher. Ils coûtaient trop cher parce que ont besoin trop de sources d'énergie, ont besoin d'une génératrice, ont besoin d'un courant de ville, ont besoin d'un inverteur, ont besoin d'un panneau solaire, ont besoin payer un animateur, ont besoin aussi. C'est ça, ont besoin payer un loyer ou bien entretenir un caille. Donc me dit que si nous mettez des contenus qui sont libres de droit, on s'entend parce que nous très respectons les questions de droit d'auteur, des contenus qui tombent dans le domaine public, ça veut dire qu'il y a 60 ans depuis l'auteur était mort. Donc c'est ça le décret sur le droit d'auteur a dit. Donc on t'a mis en pile contenu qui est libre de droit ou bien que vous payez pour droit en ligne et puis il y a plus de monde qui a pris. Donc voilà. Mais ça donc, t'a évité qu'on puisse monde à l'écrit le bail, pas besoin sur Facebook. Exactement. Donc c'est aussi, mais ces données, c'est bail accès. Tu vois, et appareil ça yo permet moun gen accès. Et c'est même genre avec téléphone. Longtemps, te gon bagay ki te rele téléco en Haïti, c'était scandaleux. Ça veut dire, moun... on dirait, comme si c'était une espèce de bagay, côté yo dou, pas gen téléphone pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un bagay pour une institution publique, on dirait, pour te porter plus exclusion. Ou bien on ou téléphone téléco la kay ou l'ampane, c'est prier, supplier des techniciens téléco pour venir ranger. Puis il doit faire même 5-6 mois en panne, un an, et puis il pas rangé. Et puis, j'ai une anecdote qui est très intéressante sur téléco. En 2006, je suis en Haïti et puis je après un an à l'étranger. Et puis, mal ouais, maman, mon téléphone était en panne. Il n'y a pas de téléphone portable. Et puis, maman, et puis, il vient acheter un téléphone portable. Maman, je suis très fier d'acheter un petit téléphone portable. Et puis, téléphone téléco en panne. Il relie téléco à téléphone portable. Mais pendant, c'est tout quartier net, toute zone net qui était gagnée là, après un gros la pluie. Quand il y a un grand monde, il y a des télécos sur le téléphone portable pour dire que le téléphone en panne. Le monde qui répond à un téléco a dit qu'il faut chercher un téléphone téléco pour le relais pour dire que le téléphone en panne. Bon, mais le téléphone en panne, comment on fait? Le moment me dit ça, je me dis que mes téléphones portables, vous mettez fond très sous bagaille les télécos. Donc c'est vrai, mais Kounia, c'est une belle amélioration que tout le monde, même si. Le téléphone n'est plus un luxe. Voilà, même si les compagnies de téléphone, hélas, trois fois hélas, sont ce qu'elles sont. Donc, mais en même temps, il y a une amélioration qu'on monde ou pas besoin de gros zouzoun ou pas besoin d'être dans un quartier résidentiel pour gagner un petit téléphone. Et puis, il n'est pas jamais en panne, il a fait 6 mois en panne. Si en panne, c'est changer boîte là, et puis, ou bien changer SIM là, ou bien changer compagnie, même si, encore une fois, hélas, trois fois hélas. La boucle, première partie, ça, m'espérer que ou apprenne un pile de Emily Prophète déjà, mais là, nous allons faire questionner première fois. Aïe, 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 j'ai peur. Non, petite pause, et puis nous allons retourner tout de suite. Bon, nous retournons, nous toujours bien Emily Prophète qui est avec nous. Là, comme là, nous allons faire première fois Emily Prophète. Nous ne prenons aucune marque de timidité, pudeur. On va poser la question biou biou. Ok, biou biou. Nous avons commencé à activer l'action. Pour ton premier jour sur Terre, je te demande encore à nouveau, même si nous sommes d'accord. C'était un mardi. Oh. Je suis né un mardi. Voilà, le mardi 15 juin 1971, à Port-au-Prince, à l'hôpital général. Mm-hmm. Première école. Ma première école, c'était une petite école, pas très éloignée de chez moi, qui était relée Lina Lines. C'était non, madame qui t'a fait l'école là. Mais ça me songeait de cette école, ça, c'est que, comme si je me songeais, tout souvenir, moi, c'est que Fumi était toujours à mordre. Et puis, Fumi était toujours à mordre, mais puis, on était obligé, on était exigé au bon mouchoir. Tout le monde est obligé de faire un mouchoir. Chaque jour, je perds un mouchoir. Si ma maman te fait, ma maman t'a acheté un long toile. Et puis chaque jour, je coupe un petit bout. Bon, parce que chaque jour, je perds un mouchoir. Même si je fais effort, je vais arriver à la caille, je vais me faire un mouchoir. Je vais sauter un gros poulet ou un jab.
Je me rappelle avoir lu que, justement, que tu as commencé l'école où tu es plus jeune que dans la classe. Là. Pendant toute ma scolarité, j'ai toujours été la plus jeune de la classe. J'ai entré l'école à 3 ans, mais j'ai entré l'école à 3 ans directement en classe de préparatoire. Je n'ai pas fait le... Ça le dit, mon bah, en fait, j'ai entré l'école et ensemble avec grand frère qui était 4 ans. Parce que je parle en vol, je parle bonheur. Fait tout le temps. Ça fait longtemps que je parle. J'ai longtemps que je parle bonheur. Quand je suis venu dans l'école, je m'étais directement en première année. Et puis, je me suis le pour mal dans la grande école. En fait, à 6 ans, je m'en suis inscrit à Sainte Trinité. Et puis, ma préparatoire 1, je me suis dit, et puis, non, 5 ans. Je dis, je ne peux pas prendre 5 ans. Donc finalement, et maman me dit non, il n'est pas capable de retourner derrière. On est allé même dans une petite école qui était à Avenue Populaire Ruelle Chrétien qui était à Anatoma. Jusqu'à présent, bâtiment là, Anatoma, c'est un mulatresse qui était toujours groupé. Oui. Donc, je me souviens, j'ai très bien Anatoma. J'étais moins chaud de ça, mais je ne suis pas connu à l'école. L'école là, c'était deux fois par jour. Et puis, pour tourner, oh, c'était très dur. C'était très dur. Mais en même temps, toujours pipiti, je fais première communion à 6 ans. Parce que c'est classe là qui te détermine première communion. Ce n'est pas l'âge là. Donc, je fais première communion à 6 ans. Est-ce que tu étais un élève turbulent? Oh non, j'étais très douce, très calme, très très douce. Même pas une petite punition. Incroyable, hein? Parce que la prochaine avec question, le recul, la première fessée. Avec le recul, même comment t'es fait comme ça, parce que c'est pas normal. C'est, j'étais très douce, très gentille, très polie. Mais bon bagage. Ce que je suis resté d'ailleurs. Non, je suis toujours une personne très gentille, tu vois, d'une courtoisie raffinée. Mais quelle modestie en plus. Oui. Donc pour la première fessée, au moins gros, que maman font coller quand même. Ah non, j'ai pris beaucoup de fessées dans ma vie. Et mes papas ne veulent pas les bailler ça en interview. Quand ça le vexe. Et me dirait que tu fâché un an pour te dire ça en l'un en interview. Que tu es allé où? Oui, mais j'ai pris beaucoup de fessées. Mais pour des raisons farfelues. Pour des raisons farfelues, parce que longtemps, Timonio, tu es contre Timonio pour grand. Et jusqu'à présent, dans certaines familles, ce que mes filles me disent ou font des fois, on a fait 0,0010 dans ça, on a pris un paquet de bâton. Donc, pour des raisons vraiment farfelues. Première grande honte. Ah, première grande honte, c'est qu'on a fait de pipi dans la cabane. Pipi dans la cabane. Mais en même temps, tout, là, moi-même, je fais un an, deux ans, pas chavé, mais deux. Mais pour qui ça, pour fonti mon honte, parce que le pipi dans la cabane, c'est pas un problème. Mais vraiment, à chaque fois que je fais pipi dans la cabane, c'était une honte. J'étais mise sur une sorte de sellette côté abdi tout le monde. Jusqu'à quel âge vous continuez à pipi dans la cabane? Ah, très tard. Très tard. Et puis, toujours pour rêve. Ou t'es à l'école très bonne, et tu es grand élève, cap pipi dans la cabane. Secondaire. Tu t'es réveillé? Mais je ne sais même pas pourquoi, tu vois. Le moment me dit ça, me dit c'est parce que j'étais traumatisée. Donc, il est plus fâché encore. J'étais traumatisée. Le premier poème que tu as écrit, tu t'en souviens? Ah oui, pourquoi le monde est si méchant? Ce navet-là, oui. Je me souviens, et en plus, toute camarade de classe, moi, en sixième, tout t'es trouvé très bon. Le monde est méchant, oui. Mais oh, on était très jeunes. Premier flirt. Ah, mon premier flirt, c'était pendant les vacances. Et pas songer qui vacances, non. Même si j'ai eu 13 ans, et puis c'était une bonne adolescente. Puis c'était tout le monde voulait flirter avec et des garçons qui avaient le même âge. Mais les garçons sont tellement plus bêtes que les filles à cet âge-là. De toute façon, ça n'a pas été très loin parce que même doit sortir. Premier baiser. Premier baiser, je ne me souviens pas.
Peut-être qu'il n'y en a pas. Premier amour. Premier amour. Mais j'étais déjà à la fac de droit. Et puis, lui, il était à la fac de médecine. Mais là aussi, ça n'a pas duré. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas duré. Première grande passion. Première grande passion, j'avais 23 ans. Il était macho comme c'est pas permis. Et puis, ben, c'était vraiment une très, très, très grande passion. Il était macho et coureur. Donc, s'il m'entend, mais vraiment, t'es un pur salaud. On espère qu'il entend. Première relation sexuelle. Et, qu'est-ce que c'est que cette interview? Moi, c'est ça, mon petit de l'eau. Oui, ça m'a donné un petit rafraîchissement, tu vois. Mais ça se passait très bien. On va continuer sur le même lancé. Première relation sexuelle, ça s'est très bien passé. C'est tout ce que je peux dire. Pas de regret. Pas de regret. Première scène de jalousie. Bon, je n'ai pas un souvenir précis de la jalousie, mais avec le temps, tu vois, et avec ma compréhension du monde, tu vois, mais la jalousie est une passion triste. Donc, moi, pas jalouse de quoi que ce soit. Tu vois, c'est... Mais tu n'as pas eu à subir des scènes de jalousie? Ah oui, certainement, beaucoup. Beaucoup, franchement. Première bagarre. Je me suis battue une seule fois avec une autre fille, c'était à l'école primaire. Non, je ne sais pas, je pense qu'elle m'embêtait sur un sujet quelconque qui n'était pas, bah, qui n'était pas même important, non. Même songer, il a sonné pour la fin de la récréation, et puis ils ont seul corps à corps. Je pense que tout c'est première fois dans la vie, et dernière fois ça arrivait. Parce que je bien aimé des joutes verbales, mais le corps à corps, c'est pour faire l'amour, c'est pas pour se battre. Ça fait arracher les cheveux. Non, les rubans, parce qu'à l'époque, on portait des rubans. Les rubans, et puis, tu vois, il était bien des rats d'uniforme qui plissaient, et puis on tirait son lit, et puis ouais, uniforme de capon, très laid. Et puis, tout le monde au coin, puni, tu vois. C'est pas pour avoir. Non. Première voiture. Ma première voiture, c'était une Nissan Sentra marron, une petite merveille qui a duré un an. Oh. Un an parce que il est arrivé non point après un an, il prend gaz pour compte lui. C'est une merveille, ça. Ah bon, c'est une petite merveille. Me songe, j'aime descendre d'Elma un dimanche sans avec un kembe et break là seulement. Machine là, poussé pour compte lui et faut me virer dans mentalité. Qui m'a demandé comment je vais faire si je pas mourir. Mais heureusement, c'est un dimanche, pas de grand pain circulation. Mettez la tête tout doucement parce que personne ne peut pas arranger. Pour dire qu'il y a un diable à donner. Mais depuis que passer que l'éal parti pour côté. Premier travail. Le premier travail que j'ai eu, c'était un travail de vacances et dans une école. C'était une école et tu as 18 ans pendant les vacances et puis tu as fait inscription dans l'école là. Pendant vacances. Puis il était mon téléphone, tu vois, et une espèce de téléphone. Oui. Donc c'était bon. Justement, là, mon gars, on dit qu'il a fait numéro 9. Maintenant, on ne peut plus dire ça, non? Non. Il y a des expressions qui perdent du sens. Nous perdent du sens, parce que là, c'était. Si vous aimez pas contre téléphone, ça. Non, moi, même si je me joins, nous, mon femme, cadeau, on sait téléphone, comme ça, je me tape très content parce que moi, ça me manque. C'est toute une époque. Oui, et puis comme c'est ça, moi, ça me dérange, mais c'est comme on peut accrocher la figure, comme si. Content, on frappe. Oui, oui. Mais tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus faire ça. Premier gros chagrin. Moi, j'ai eu un très très gros chagrin. Et enfin, mes chagrins, c'est toujours parce que je perdais des gens. Quand on a perdu une petite cousine qui habitait la maison. Donc, moi, je pensais que dépasser la terre après le craser. Tellement j'étais triste, tellement j'avais du chagrin. Donc voilà, et aujourd'hui encore, c'est très difficile. Premier mariage.
premier mariage. En fait, je me suis mariée en 2008. J'étais enceinte de ma deuxième fille. Déjà, je ne voulais pas me marier. Et puis, moi, mon cher Jean-Yves Milsé, il m'a dit, tu sais, je ne suis pas un goujat. D'ailleurs, c'est un protestant, son père était pasteur. Il ne conçoit pas. Ouais, il m'a dit, mais non, tu ne peux pas faire ça. Moi, je ne suis pas un bouge. Mais sinon, tu vois, ça ne m'aurait pas dérangé de ne pas me marier. Vraiment pas. Hein. Mais qui côté état d'esprit ça a sorti? Parce que l'on élevé jeune fille avec sentiment que faut que marier pour la vie au complet. Eh bien, justement, ça peut-être que c'est une information importante. Moi, je passe ma vie à faire différemment de ce qu'on m'a appris à la maison. Tu vois, même dans l'éducation de mes filles, si j'avais fait comme mes parents, mes filles ne pourraient ça pas sortir, ils t'ont battu, etc. Donc, voilà, et pour moi, il fallait tout faire différemment. Tu vois, donc ça m'importait peu d'être mariée ou pas. Première infidélité. De ma part ou de... Bon, de on va de prendre deux cas. Donc, je suis quelqu'un de très fidèle. Fidèle à tes amours. Hein? Fidèle à mes amours, fidèle à mes convictions, fidèle à mes amis. Moi, je conjugue le... Non, fidélité sur toute la ligne. Toute la ligne. Et à la première infidélité, tu as été victime? Moi, je... Pas victime. C'est... Bon, ça cause un petit peu de chagrin, on se sent un peu trahi. Mais finalement, j'ai relativisé. Tu vois, et c'est vrai que ça, il y a un chagrin au départ, mais ensuite on relativise, on se dit bon, personne va pour personne. Donc quand on se dit ça, parce que on est tous jaloux, on est tous possessifs, mais au cas guéri, t'es tout sauvé, parce que, tu vois, c'est pas pour venir nous imperméable totalement, mais pour te dire, écoute, voilà, on peut vivre avec, on peut trouver quelqu'un d'autre, et tout ça. Première prison. J'ai jamais été en prison. Je n'ai aucun casier judiciaire. Donc, ouais, officiellement, là, bonne vie et mœurs. Bonne vie et mœurs. Il n'y a pas bon certificat bonne vie et mœurs. Il faut peut-être lire ça. Premier exil, non, je ne suis jamais parti en exil. Je suis parti, c'est vrai. Mais enfin, jamais forcé. Non, jamais forcé. Non, par un bat exilé. Au contraire, vous avez même été avec jusqu'à premier 40 ans. Non, jamais. J'ai jamais connu d'exil. Premier succès littéraire, c'est. Et mon premier livre a été, entre guillemets, est-ce qu'on peut appeler ça succès littéraire? Moi, ce que j'appelle le succès, c'était des marges à remplir. Premier succès, c'est parce que j'ai été adoubé par. Et un écrivain par Georges Castra, tu vois, Georges Castra qui te dit, qui fait la quatrième de couverture de ton livre. Donc, pour moi, c'était un vrai succès. Et puis finalement, il y a un peu de monde qui compte poésie, qui aime poésie, qui était bien aimé ça m'écrit. Donc, ça m'avait fait plaisir. Premier prix décroché, c'était pour Le Testament des Solitudes. J'ai eu le prix de l'ADELF, de l'Association des écrivains de langue française. Première conférence. Ouf, j'en ai tellement fait. Première conférence, je ne me souviens pas. Alors, moi, la première fois, moi, justement, c'était la conférence Salut Boudin. Oui. On avait la semaine du livre et puis... C'était pas la première, sûrement. Mais je ne me rappelle pas, mais il y en a eu tellement depuis. Et peut-être que je n'étais pas stressée, c'est pour ça que je ne me souviens pas de la première conférence. Première participation à Livre en Folie. Ma première participation à Livre en Folie, je crois que c'était et comme écrivain ou comme lectrice, comme personne. Là, c'était au tout début, parce que moi j'ai été biberonnée à Livre en Folie. Donc, depuis le début, j'ai toujours aimé cet événement. Je pensais que... Ou plutôt, t'es demandé qui seule fois m'a participé à un livre folie, c'était en 2006, parce que j'étais à l'étranger, je vivais en Suisse. Donc en juin 2006, m'a pas participé à un livre folie. Sinon, c'est 23 fois. Mais à quel moment qu'on commence à venir en tant qu'auteur? À quel moment? En 2000. Premier salon du livre, c'était le salon du livre de la Guadeloupe, en 2004. Donc,
première polémique, ça c'est pour finir avec la, la session une première fois. Première polémique. Oh, je fais des critiques ouvertement, ça, ça entraîne des polémiques, ça fait des... Ah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Je ne me rappelle pas quelle, en est, quelle a été la première. Mais qui est plus ampleur que d'autres. Ah oui, il prend des proportions, mais en même temps, les polémiques ne m'atteignent pas. C'est pour ça que je ne m'en souviens pas, justement parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Donc, je ne les vois pas passer. Il y a une parce ou deux personnes qui me disent... Là, sur les réseaux sociaux. Oui, oui, il y a un peu de monde qui dit, ah, tu sais qu'un tel a... Fini avant, là. Ah, fini, il a fini avant. On me dit, ah bon? Et pourtant, je n'ai pas vu passer. Donc, moun yo pi au courant passé de polémiques, mais je dois te cacher que je ne déteste pas ça, les polémiques. On va un petit peu là parler des auteurs qui t'ont manqué. Mm-hmm. Auteurs que tu as commencé, premier auteur que tu as senti ou songé que tu as changé pour commencer à lire, mm-hmm. qui t'ont aimé. Alors là, c'était très jeune, Marcel Pagnol. Le château de ma mère, etc. Donc Marcel Pagnol. Et ensuite, il y a eu beaucoup de livres, mais gros livres, moi, j'ai cité parce que moi, l'île, à l'adolescence, je suis 18 ans, qui est La Conjuration des imbéciles, que un Américain, que les John Kennedy Toole, écrit. Mais il y a une histoire. En fait, c'est une histoire très particulière. John Kennedy Toole écrit La Conjuration des imbéciles, et il n'y a pas joint aucun éditeur. Et puis, il est tellement déprimé, il se suicide. Et puis, sa mère a entrepris de chercher un éditeur et elle a trouvé cet éditeur. Et le livre a eu à titre posthume le prix Pulitzer qui est le plus grand prix littéraire aux États-Unis. Donc, même t'es vraiment très aimé le livre ça. On trouve Ignatius qui est le personnage principal, un homme qui a passé la trentaine, qui vit chez sa mère. Mais au bagage gargantuesque. J'avais adoré ce livre que j'ai relu en 2010. Et là, c'est ma fille qui est en train de lire et La Conjuration des imbéciles. Et après, et j'ai toujours été fasciné par Marcel Proust. Donc, et un écrivain italien qui est Alessandro Baricco, qui était comme peut-être qui, à un moment de ma vie, j'ai beaucoup aimé un livre qui est Les Soies. Et il y a aussi Le Tunnel de Ernesto Sabato, et il y a eu Roberto Bolaño, Gabriel Garcia Marquez, donc et beaucoup de livres, parce que même l'on gagne 20 000 livres, donc on finit par gagner une bibliothèque pour qui sait peut-être pas plus de 10-20 livres. Donc et voilà. Mais pour tes livres, tes propres livres, est-ce que il y a une œuvre que vous sentez qui... Qui t'a peut-être demandé plus de travail ou bien qu'on s'en soupe attaché avec lui? Oui, le Testament des Solitudes. Pourquoi? Le Testament des Solitudes parce que ça. Parce que le Testament des Solitudes raconte des choses que je n'avais pas vues, mais qui étaient là. Ouais, des bagailles, par exemple, entrer dans pièce là. Je prends l'exemple de la pièce pour faire vite. Et puis, ou vin là, me parler avant. Et puis, 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, m'a songé, t'es gon échelle, ma coin, t'es gagné des chaises, t'es gagné des valises, t'es gagné une table. Donc, c'est une sorte de retour en arrière pour voir des gens et pour comprendre ce qu'a été et, en fait, l'exil économique de certains Haïtiens à un certain moment. Voilà, donc j'ai un regard sur le quartier dans lequel j'habitais. Il y a des motocyclettes à Trexco qui apportaient des cobs pour le monde. Et puis, en fait, c'est un jour me lever et puis je me sentais tout bruit ça dans la tête. Et puis, j'ai eu envie de raconter. Donc, c'était aussi un point de passage entre la poésie et le récit. Ah, donc c'est là que. On commençait. Voilà, sur... exactement. Mmh. On va maintenant parler de tes préférences. Sexuelles? Non. Si tu insistes, non, vraiment, non, on en non, parle. Non, je voulais. Ton lieu de vacances préféré? Oh, chez moi. Ou après vacances à Kayo? Ah oui. Sans patrimonio? Ah oui, non, elles sont là. Mais bon, ma fille est née déjà à l'université. Donc, mais la petite. Pourquoi fait-il le café fête, mais quand elle a chaque soir? Oui, mais dans ma chambre. D'ailleurs, j'aime ma chambre. J'aime chez moi. Ou qu'on côté tout bagaille, ses amis, ou etc., on pas fait gros effort. Quand tu pars en vacances
en province ou bien d'un pas jamais en vacances à l'étranger, j'ai pas les moyens. Donc ça prend ou plus fatigué. Alors que ou lever ou coucher ou pas jamais lever rien pour les nécessités pour aller prendre une douche etc. Mais le meilleur lieu de vacances c'est la maison. Tu vois c'est ça pour moi il y a pas photo. Ton plat préféré. Mon plat préféré. Mon plat préféré, est-ce que j'ai un plat? Ah oui, mon plat préféré c'est du riz avec lalo. Mmh. Ah ouais, le lalo, il y a des gens en background qui font... Moi, regarde, tu peux écraser. Écraser, tu vois, il est jalouse. Son quoi, l'idée doit jalouse, oui. C'est quoi? Oui, lalo, son bail, lalo, c'est... Des Haïtiens doivent exporter lalo. On pourrait envahir le monde à la loi parce que le monde mérite de goûter oui, au lalo. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Donc, saluer tout le monde la Tibonite, Capé, attendez-nous là. Et puis, compliment, voilà, Capé, œuvrer pour la loi. Fait la loi bien. Ah oui, oui, ici. Marine, son spécialiste de la loi. Il est né à Passerelle dans la Tibonite. Donc, je t'invite la semaine, après Livre en Folie, on fait un lalo. Après l'eau là, mais là, venez. Oui, on fait un lalo, promis. Et là, qui était motivé pour la loi. Incroyable, hein? Et en termes de dessert? En termes, j'aime pas trop le sucre. Donc, moi, le dessert, ça va être une crème glacée ou des fruits. Tu es sportive? Et oui. Et plus de volonté que d'action. Et tu as un sport préféré? Un sport quoi? Plutôt, mais où est-ce que tu as fait? Et on se pompe bien aimé où elle a joué et basketball, etc. Moi, le football, moi j'ai appris à ne plus aimer. Le football, vraiment, ça m'indispose. Il y a trop de passion dans le football. Mais vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse, c'est cette histoire de Real Madrid, de Barcelone. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps pour savoir qui était Barcelone, laquelle était Barcelone, laquelle était Real de Madrid. Bon, quand au Brésil et à l'Argentine, vraiment, je préfère aller me cacher. Quoique ma grand-mère s'appelait Argentine. Oh! C'est joli prénom, hein, si ça se trouve. C'est vrai, c'est plutôt différent. Oui, elle s'appelait Argentine, ma grand-mère. Votre boisson préférée? Ah, moi, j'aime bien le whisky. Toi, assez corsé? Non, c'est bon, c'est juste bon, le whisky. Et puis, la vodka, tu vois, avec du tonic, et c'est pas mal, ou bien du cranberry. Alors encore, tu vois, là nous venons à Kaiwa après. Vodka, cranberry. Tu connais qu'elle a son fan. En termes de musique, quel est ton style préféré? Le jazz. J'ai animé pendant 5 ans une émission de jazz à Radio Haïti. J'aime le jazz. Ensuite, j'aime beaucoup la chanson. Et j'aime Léo Ferré, j'aime Billy Joel, pas que de la chanson française. J'aime les chansons à texte. Et c'est quoi ta chanson préférée? Ça dépend des moments. Et je peux passer toute une semaine à écouter Hotel California, ou bien à écouter New York State of Mind de Billy Joel. Ou bien ton style de Léo Ferré, donc, ou bien Claude Nougaro. Par exemple, c'est dans cette ancienne musique Claude Nougaro qui est le coq et la pendule que je m'entendais. Le coq et la pendule, la musique est très belle, c'est comme une fable. Mais la musique c'est du jazz, mais les paroles sont extraordinaires. Où il raconte que dans une ferme du Poitou, et un coq émet une pendule. Bon, coq qui remet pendule. Donc, toute journée, coq là devant pendule là, et puis le coq est devenu coq-tambule. Et puis, pour tout Poulio a dit, qu'est-ce que c'est que ce coq qui ne nous donne jamais un petit coup d'aile, etc. Et puis, de fil en aiguille, la pendule a eu marre. Et puis, quand la vient chanter chaque soir, la dit, toi ma pendule aux heures d'or. Et puis, à un certain moment, la pendule a eu marre, la pendule a sonné l'heure du dîner, coq au vin. Oh. Coq au vin. Finastre.
Mais la, elle est belle, la musique est magnifique. Et puis la voix de Claude Nougaro, et puis la fable aussi, c'est très surprenant, c'est très beau. Donc, ce n'est pas nouveau, mais ces jours-ci, me remettent le coq et la pendule. Et ton chanteur préféré? Mon chanteur préféré, et ça dépend de quelle langue. Tu vois, moi-même, mon chanteur, le chanteur que j'ai adoré, dont la mort m'a causé le plus grand choc qui soit, c'est Michael Jackson. J'aime Michael. Moi, je trouvais que c'est l'horizon indépassable. Et bien sûr, moi, j'aime Léo Ferré en pile comme chanteur. J'aime aussi Claude Nougaro. Et puis, j'adorais Bruno Valcourt. Donc, voilà, ça dépend des moments. Hein, ça dépend. Et pas de groupe préféré? Pas de groupe préféré. Oui, j'aime bien le trio de Keith Jarrett. On est encore dans le jazz. J'aime le trio de Keith Jarrett et beaucoup de... Voilà. Et en termes de film, quel est ton film préféré? Le film que je t'ai sans problème. Il y a une comédie. Donc, d'abord, j'aime beaucoup... Enfin, il y a un gros paquet, mais tout de suite là, vient en tête moi Le Patient Anglais. J'ai beaucoup aimé Le Patient Anglais. Et j'ai beaucoup aimé comment il s'appelle ce film. J'aime Purple Fiction. J'aime beaucoup ce film. Et puis il y en a tellement. Hein. J'ai beaucoup de films que j'ai beaucoup aimé. Et puis pour la comédie, il y a une comédie que j'aime beaucoup. Beaucoup regarder. Chaque fois que je regarde le même genre, c'est Analyze This. Avec Billy Crystal et puis comment s'appelle le comédien d'origine italienne? Gaëlle est dans le décor, elle va me dire. Robert De Niro, Billy Crystal, Analyze This. Le premier, parce qu'il y en a deux. Parce que les bas, ils ont marché à fond comme ça, au fond deuxième. Et puis deuxième, non, des fois, il est moins bon. Mais Analyze This, regardez-le 10 fois, moins lui, même genre. Lui, même genre. Comme comédie. Es-tu plutôt genre thé ou café? Café, à fond, café. À n'importe quelle heure de la journée, 10 fois par jour, sans sucre, heureusement. Et moi, je suis café, totalement café, fondamentalement café, café à vie. Une ville préférée? Port-au-Prince, malgré sa laideur, malgré son insalubrité. J'aime New York, mais c'est pas un amour qui dure. Ça veut dire que je remets New York pour une semaine, je remets Manhattan pour une semaine. Après, j'aime Paris, et Paris, c'est les théâtres, c'est l'offre culturelle que je trouve grandiose. J'aime Genève, j'étais à Bamako cette année au Mali, j'ai adoré Bamako. Pas pour longtemps. Pour longtemps, c'est Port-au-Prince, malgré tout. Est-ce qu'il y a une question que vous toujours ouais que vous pas jamais poser mais vous toujours dit pourquoi c'est pas jamais poser une question ça? Non, on me pose trop de questions déjà. Mais quand c'est une question qu'on pas veut répondre comme pas une question qu'on pas veut répondre, vous me cassez comme vous posez encore. En fait, me parle même au bout de ma dame et pour un livre et pour dire ça raconte quoi? Je trouve que c'est abominable de faire ça avec des écrivains. Ça raconte quoi? Il y a quelle histoire dedans? Ou bon monde approche au dido. Ah, j'ai vu que tu as acheté un livre. Il y a quelqu'un qui gueule là dans le couloir. Excusez-nous, cher téléspectateur. Mais c'est comme ça. Donc oui, Marie-Momoundia, j'ai vu dans le journal que tu avais écrit un livre. Je vais l'acheter. Ça parle de quoi? Ça, c'est abominable. Ça, c'est odieux. Tu vas l'acheter. C'est grossier. On ne dit pas ça. Il n'y a pas une question aussi que tu aimerais qu'on te pose? Pour que vous sentiez au fond, que vous n'avez pas envie de raconter, mais pas moins d'eau. Oui, mais pas devant les caméras. Je veux bien, parce que j'aime bien me lâcher sur des choses, mais sinon ça va provoquer d'autres polémiques. Et puis bon, je n'ai pas l'énergie. En fait, depuis début d'année, moi, je me sens que je n'ai pas l'énergie pour me faire polémique encore. Mais pourtant, ça t'allait bien. Ça va reprendre. Ça va reprendre. Les affaires vont reprendre. Je prends une pause parce que j'ai eu beaucoup de travail en ce début d'année.
pour notamment dans le cadre de Livre en Folie, parce que je devais terminer le dernier livre, relire plein de textes, etc., répondre à des longues interviews. Donc j'ai pas eu, en fait, ça m'a bouffé de l'énergie. Mais après, on va dire à partir du mois de juillet, je serai prête à reprendre à fond les polémiques. Moi, je cherche 2-3 livres et puis me dis, mes amis, ou même temps de musique, me dis, mes amis, mon ça pas qu'on chante, non? Et puis ça va barder. Ou qu'on qui j'aime à y marcher. Oui. Donc tu vois, finalement, c'était plus de peur que de mal. Eh ben oui, hein. Tu as survécu à notre vue. Mais c'était costaud quand même. C'était assez bien. Donc maintenant, le 31 mai et 1er juin, tu seras invité d'honneur à Livre en Folie. C'est la première fois que ça t'arrive. Ça n'arrive qu'une fois. Justement. Qu'on soit invité d'honneur de lire. Il y a tellement d'écrivains qu'il faut laisser la place. Donc, c'est quoi le sentiment qui t'anime? Je suis très fière, très, très honorée. Honorée d'abord d'être invitée d'honneur à Livre en Folie parce que ça témoigne de parcours. Parce qu'on ne peut pas être invité d'honneur de Livre en Folie avec un seul livre. Donc, et toi, tu en as combien? Je présente une dizaine de livres à Livre en Folie. Donc, ça veut dire qu'il y a une œuvre, il y a un parcours, il y a un intérêt. Et en plus, je partage cet honneur avec Dieudonné Fardin. Dieudonné Fardin qui est quand même un éditeur qui a marqué toute une génération. Dieudonné Fardin a toujours mis des livres sur le marché à des prix abordables et aussi permis qu'on retrouve des classiques haïtien, parce que en fait les classiques deviennent des classiques par la volonté de personnes, d'éditeurs qui font confiance à ces textes en question et qui estiment qu'ils doivent toujours être présents sur le marché parce que ce sont des textes utiles, donc des classiques. Exemple, Fardin est le seul qui propose jusqu'à aujourd'hui les livres de Sémexan Rouzier ainsi que d'autres livres donc tout aussi importants. Donc je suis très fier de partager l'affiche avec Dieudonné Fardin. Grâce à lui, quand j'étais étudiante à l'École normale particulièrement, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai pu avoir accès à beaucoup de livres qui étaient très chers à l'époque. Parce qu'à l'époque, quand j'étais à l'École normale, il n'y avait pas encore les décrets de 2005 sur le droit d'auteur qui fixent le domaine public à 60 ans après la mort de l'auteur. C'était la loi de 1968 qui fixait à 25 ans. Donc à ce moment-là, Alexis était dans le domaine public, par exemple, et on trouvait tous les livres d'Alexis sur le marché. On n'avait pas que les éditions Gallimard qui étaient extrêmement chères. Donc Farnay, je parle d'Alexis, mais aussi, et il a toujours fait en sorte qu'on trouve les livres de Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, les livres de Sémexien Rouzier. Donc, et partager l'affiche avec lui, ça veut dire énormément de choses pour moi. Je suis très, très fier. Donc, les 31 mai, 1er juin, donc 2 jours de Livre en Folie pour rencontrer des gens, signer des livres et aussi, en fait, recevoir, il y a beaucoup de choses qu'on reçoit quand on est invité d'honneur à un grand événement comme ça. Par exemple, il y a plein de gens qui viennent vers vous et qui, vous avez la chance de discuter avec eux, vous avez la chance d'apprendre beaucoup de choses. Parce qu'on apprend énormément de choses et des gens, peu importe qui ils sont, ce qu'ils font, on apprend beaucoup de choses. Donc, c'est ça pour moi, Livre en Folie. Donc, j'attends impatiemment les 31 et 1er. Donc, tu amènes 10 titres à Livre en Folie. Donc, il y a des gens qui habituent les livres déjà, qui sont des fans, des inconditionnels. Mais quand ça tourne, il y a des gens qui peuvent découvrir l'œuvre. Et c'est qui ça que vous avez dit, les gens, pour qu'ils aient une idée de à quoi s'attendre quand ils viennent voir un livre? Bon, ils vont découvrir parce que l'écrivain prend des risques. Mais le lecteur aussi prend des risques. Quand on lit, on prend un risque, le risque d'aimer, le risque de ne pas aimer, mais ce sont des risques utiles, puisqu'on aime lire, et même quand on n'aime pas, c'est une chance que d'avoir pu rencontrer le livre, rencontrer le lecteur, mais l'avantage, quand on est invité d'honneur de Livre en Folie, ça veut dire qu'il y a un parcours et des témoignages, et aussi quel mot je pourrais utiliser, c'est comme si vous aviez une passe,
pour franchir des frontières, pour franchir des barrières. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens avant qui ont lu et qui ont aimé. Donc, vous vous êtes forgé une réputation, puisque Livre en Folie, pour moi, c'est une foire importante, dans la mesure où c'est une foire locale, c'est une foire importante, la plus importante foire de la Caraïbe. Mais et je vais dans beaucoup de salons du livre et dans beaucoup de foires du livre à l'étranger. Là, je reviens de Saint-Malo, Étonnant Voyageur, qui est le plus grand festival de littérature francophone en termes d'écrivains présents, d'ouvrages, de manifestations proposées. Donc, c'était ma sixième participation à Étonnant Voyageur. Et récemment, la rentrée littéraire du Mali, j'étais l'année dernière au Niger, je vais dans beaucoup de salons, de foires, je vais souvent au Salon du Livre de Paris, donc il y a quelque chose derrière, si je suis invité dans ces foires, dans ces salons, dans ces manifestations littéraires, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, pas qu'en Haïti, mais dans la francophonie, qui trouvent un intérêt à ce que j'écris, donc et voilà, j'espère que les gens qui vont acheter les livres ne vont pas être déçus. Je crois qu'ils ne vont pas être déçus. Donc, on va conclure. On a beaucoup parlé, mais c'était intéressant. Oui, c'était très intéressant. D'ailleurs, on a même conclu une promesse de Lalo. Voilà, on a une promesse de Lalo, de gin tonic, de vodka tonic, de whisky. Donc, voilà. C'est ça, comme ça qu'on va célébrer, justement, comme si le succès de Livre en Folie, de la 24e édition. Donc, on a remercié tout le monde qui était là avec nous, qui continue à regarder nous et qui toujours continue à brancher chaque fois tout, parce que c'est des rendez-vous que même là nous pas fixé, nous toujours là chaque semaine que nous avons une nouvelle émission. Et il y a des monde qui est des supporters inconditionnels, qui n'importe là nous regarder, nous là, qui est toujours là pour garder la vie avec nous. Nous remercions les gens et Madame Prophète, vous avez des choses que vous voulez ajouter? Je dis nous merci en pile. Et puis, on attend tout le monde 31 mai. Et 1er juin, et Jardin du Mupana, Champ de Mars, pour 24e édition Livre en Folie. Donc, j'entends là, prochain rendez-vous, surtout avec Madame Prophète, c'est dans Livre en Folie, 31 mai, avec 1er juin, il y a Dieudonné Fardentou, qui c'est l'autre invité d'honneur Livre en Folie pour Anissa. Et bien entendu, par contre, vous regardez déjà, mais une très longue entrevue, tout que collègue Gaël Alexis a réalisé. Monsieur, que n'a content de découvrir facette ça tout de Dieudonné Fardin. Merci encore d'être que vous t'avez regardé. Non pas, c'est Daphné Val Saint-Malandre et c'était un plaisir pour me avec vous.